Salut YouTube! Pour ce 24 décembre, nous allons faire la tier list des Pères Noël, évidemment. Vous voulez bien la faire à un moment? Bah c'est ce soir, sur Twitch, et c'est quand vous voulez sur YouTube. C'est ça la beauté de YouTube, c'est un peu la vidéo à la demande, et ça on aime. Du coup, on va classer les Pères Noël de Va au Diable, pour les plus mauvais, à Comme dans mes rêves d'enfant, en top 1. Le top 1 des copains. Donc, let's go, j'ai envie de dire. Et on a les images aussi, hein. On va voir les images en grand. Donc, voilà, il va se passer des choses. Hein. Le premier Père Noël. Ouais, je pense que ça... Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre cette image en grand? Je ne pense pas. C'est comme dans mes rêves d'adulte, comme dans mes rêves d'enfant. Comme dans mes cauchemars d'enfant, comme dans mes cauchemars d'adulte, va au diable. Non, bah lui, ça va, lui, il est plutôt correct. Bon, c'est un classique, quoi. Bon, le suivant, par contre, il a l'air de faire un peu peur. Ouais. Ouais, bah même l'enfant, il a peur d'un côté. Donc du coup, c'est un peu compliqué comme Père Noël. Hein. En fait, il y a un masque. Vous pensez qu'il y a un masque? Ouais, il y a un masque, là. Le mec s'est dit, je vais me déguiser en Père Noël orange, quoi. C'est la good idea. J'irai comme dans mes cauchemars d'adultes, hein, parce que pour coup, il fait vraiment peur. Il a pas l'ermite de Noël? Ah bah d'accord, il fait des privés de jokes avec sa maman. Bah super, quoi. Super, quoi. Bah faites votre clan. Nous, on fera le nôtre avec Papa Biggie, hein, vous inquiétez pas. S'il a pas de masse, c'est chaud, j'avoue. Le prochain Père Noël, il m'a l'air d'être assez classique. D'ailleurs, cette tête, elle me fait penser à quelqu'un, mais écoutez, ça m'a l'air plutôt safe, ça, comme Père Noël. Ouais, ça a l'air d'aller. Je vois rien de choquant là-dedans. Réaliser Père Noël, et oui. Celui d'après, ouais, c'est un classique, hein. Je pense que je vais encore rajouter une catégorie. Il fait Dumbledore, lequel? Celui d'avant, là, le... Non, lui, là. Lui, Dumbledore. Peut-être lui, hein. C'est peut-être Dumbledore à Poudlard. Écoutez, lui, classique, quoi. Hein, classique, mais efficace. Hein. Je vais rajouter une catégorie classique. Sinon, il y en aura trop dans les bons Père Noël, quoi. On va le mettre en rose. Je pensais que c'est moi qui l'ai ajouté. Donc lui, ouais, lui, classique. On verra. De toute façon, les S, on les met à la fin. Un classique, ouais. Oula. Là, on va aller sur du lourd, là. Oh, putain. T'as la tête des gamins, quoi, au secours. En fait, y a rien qui va sur cette photo, c'est... Oh, merde. Mais genre, mais pourquoi il y a autant de maquillage sur un Père Noël, quoi? C'est pas un clown, en fait. C'est terrible, ça. Dans les cauchemars d'enfants, adultes, ça va encore. Ça fait vraiment peur, par contre. Après, on a quoi? On a le Grinch. Alors, moi, j'ai jamais vu le c'est quoi, le dessin animé, là. Après, je sais qu'à la fin, il redevient gentil, donc bon... Pas non plus. C'est un classique des animés de Noël, bien que je ne l'ai jamais vu, quoi. C'est à moi quand je clamais que devenir le plus grand de tous les humoristes. Ah, oui. Évidemment. Toi, t'es là sur la photo. T'es là, Noé, non? C'est pas toi, genre, il y a 2-3 ans? Oula. Là, c'était il y a un peu plus longtemps, là, t'étais plus jeune. Terrible.
Vin chez Bétière. Oui, bon, y a pas de lettre, donc du coup... Ah merde, j'ai fermé le lien. Quel con. J'ai cliqué sur la mauvaise croix. On a la petite souris. La petite souris de Noël. Ouais, bon, écoutez, pourquoi pas. Mais je trouve qu'elle fait... Ouais, je sais pas, je suis pas serein avec ça, quand même. Hein. Ça fait un peu peur. Hein. On a un autre Père Noël avec un grand front. Après, pour le coup, là, c'est des vrais cheveux. Hein. Enfin, je pense. Ouais, mais on devrait juger aussi la gueule des gamins, quoi. C'est... Là, vraiment... Je pense que pour le naturel, c'est pas mal, quand même. Hein. Pour le naturel, c'est pas mal. On va le mettre là, quand même. Parce que... Je pense que c'est nature. Là, voilà, là, on sentait trop que c'était fait, quoi. Oula! On a un beau candidat, là. Oula, là. Ouais. Ouais, mais là, c'est pas un Père Noël, ça. C'est quelqu'un qui a volé son déguisement, là. Là, non, quoi. Comme dans mes cauchemars d'enfant, ouais, parce qu'adulte, ça va encore, quoi. Mais enfant, ouais. Ouais. Après, on a le Père Noël en scooter. Et ça, voilà, ça, c'est pour la livraison de cadeaux, c'est parfait, ça. La petite mobilette. Alors, niveau discrétion, c'est un peu compliqué, hein. Mais niveau style, on est bien. Hein. On est bien. Là, je vais encore devoir ajouter des colonnes ou quoi, là, parce que... Non, tout va se retrouver ici. Et ça va être compliqué. Ensuite, on a... Lui. Oh. Pareil, pas choquant. Et c'est un classique. Hein. Il a un beau costume, quand même. Je trouve... Est-ce que les gants, ça fait partie de l'attirail du Père Noël? Ouais, je pense quand même. Hein. Ah, lui, il est bien, lui. Enfin, lui, ouais, c'est un classique. Un classique. Ah oui, ah bah ça... Putain, on dirait trop la gueule de mon frère, c'est terrible. Du coup, c'est poubelle, ça. Hein. C'est juste parce que la tête de mon frère, c'est poubelle. C'est quoi l'intérêt de porter ça? C'est terrible. Va au diable. Bon, quand même pas, parce que... En fait, je sais pas, tant que j'ai pas reçu le cadeau qu'il doit m'offrir, j'en sais rien. D'ailleurs, sachez que moi, demain... Enfin, que moi, à Noël, je ne pourrais pas lui offrir son cadeau parce que je ne l'ai pas reçu. Malheureusement. Malheureusement. T'as pas de photo de Général Galactique avec le Père Noël? Oh bah moi je dois pas... Enfin mes parents ils doivent pas avoir de photo de moi avec le Père Noël je pense. Je pourrais leur demander mais je pense pas. Écoutez, je leur demanderai et si on en retrouve une je la mettrai sur Discord, ok? Mais je crois que j'en ai pas. Donc arrivé demain matin, je pense pas vu que ça a même pas été expédié donc je pense pas. Et ensuite on a du Animal Crossing. Je pense que je vais devoir rajouter une catégorie encore hein. Il est pas mal ce petit cerf là. C'est vraiment le Père Noël dans Animal Crossing ça? Un cerf? Bien. Là, je vais rajouter une catégorie. Encore. On va l'appeler pas mal. On va le mettre en... On est en train de fucker de toutes les couleurs là. Du coup je vais pouvoir remonter ça un peu. Lui, il est rigolo, je l'aime bien. Ouais, voilà, je trouve qu'on se retrouve mieux comme ça. Un renne. J'ai dit quoi? J'ai dit un cerf. Quel con. Ouais, pas mal, c'est mignon, quoi. Oh putain, on a Bob l'éponge. Bob l'éponge en Père Noël. Ah bah ça, c'est archi validé, hein. Là, je pense que personne n'a de doute là-dessus. Ah, mes cheveux, quoi. Personne ne dit rien sur mes cheveux, c'est terrible. Ouais, bah, tu sais, bah, de toute façon, même si je les mets comme ça, c'est la merde. Voilà, super, super. Vive mes cheveux d'hiver.
Bon, c'est comme dans un rêve, ça, Bob l'éponge. Du coup, là, celui-là, je vais le descendre un peu. Oula, il a l'air bien celui d'après, là. Il est stylé. Le Père Noël, là, il est complètement stylé, hein. Avec le petit loup, là. Ah, ça, c'est archi validé, hein. Archi validé. Ça, je vais le descendre. Ça reste un dessin, c'est pas mal, mais c'est pas non plus transcendant. Ensuite, on en a un dans une... Ah, je croyais que c'était dans une cuisine. Ah ouais, non, pas du tout, non, c'est... Ah, ouais, ok. Là, on est plus sur Père Fouettard, avec le brûlé, là, que Père Noël, là. Ça, c'est Père Noël de lendemain de soirée, un peu délicate, quoi. C'est... Je pense que la livraison de cadeaux, elle s'est pas bien passée, quoi. La cheminée, elle devait encore tourner, hein, si je puis me permettre. Comme dans les cauchemars d'enfants, ouais. Bon, ça, je peux le monter, ça. Ah oui, non, c'est parce que j'ai dit que ça ressemblait à mon frère, ok. Le bébé Père Noël. Ah, c'est mignon. C'est mignon. C'est sûr que t'auras pas de cadeau, mais ça reste mignon, quand même. Ça reste mignon, le petit bébé Père Noël. Ah, il me semblerait que... Ah, alors, on est un peu hors catégorie, parce qu'on est sur les Pères Noël et pas sur les Mères Noël. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose en plus qui fait pencher la balance plutôt vers la solidité. Comme dans mes rêves d'adulte, voilà. Comme dans mes rêves d'adulte. Il y en a, c'est du à tiers. Ah bah bravo, général, bravo. J'espère que t'es fier de toi. Bravo. Mais t'as pas tort. Le petit Père Noël chelou. Un peu Père Noël pervers, ça, c'est pas fou. Hein. C'est pas fou. on a un Père Noël masqué. Oula, il... Bah, en fait, quand tu vois que les yeux, ça fait un peu peur quand même. Il y a quelque chose qui m'inquiète là-dedans. On va le mettre là. Ah, on a le petit singe après. Ils ont fait chier pour faire les montages quand même. Hein. Enfin, je pense que c'est un montage quand même. Ouais, je pense. Hein. C'est bizarre. Ça fait peur aussi, ça. Non, mais t'as vu la tronche? Ça pas une bouche comme ça, un singe. C'est très perturbant. C'est très perturbant. Ça fait peur, les singes. Ah, celui-là, oui, il fait un peu peur. Ah, le Père Noël Coca-Cola. Oh, le Père Noël Coca-Cola, c'est un grand classique, hein. N'empêche, sur la photo, c'est... Enfin, sur l'image, c'est un connard parce que la gamine, elle veut du coca, puis lui, il l'envoie chier, quoi. Bon, après, Coca-Cola, ça reste un classique, hein, quand même. Ah, on a le personnage préféré de Papa Biggie. On sent qu'il a fait exprès d'aller dans le jeu juste pour prendre la capture de May en Mère Noël. Mais ouais, mais c'est pas trop mal, hein. C'est pas mal. J'aime bien. Les recettes pour être grosse et de pub coca. Ah, boire du coca et ne pas en donner aux autres. Du coup, après, c'est Homer Simpson en Père Noël. Je sais même pas si j'ai déjà vu un épisode où il était en Père Noël. Homer Simpson. Ouais, on va mettre classique, rien de transcendant. Le petit panda roux. Le petit panda roux. Là, il s'est dit, putain, je vais pas mis un panda roux sur les tier list, du coup, je vais le mettre là. Du coup, il est pas mal, hein. Ça, on dirait qu'il a pas de bras. En fait, ils sont là. Ah. Ouais, il est... Ouais. On va dire pas mal, mais pas mal moins, quoi. Pas mal, quand même. Oula.
Ouais. Carisantapix. Ah ouais, ça c'était ton site de référence. Les pandas qui font peur, quoi. Pandarou, c'est mignon. Ah ouais, c'est trop mignon, les pandarou. Par contre, je suis tellement dégoûté qu'ils aient le ventre noir, quoi. C'est un peu le défaut de fabrication, quoi. On a le Papa Noël Biker. J'avoue qu'il est classe, quand même. La moto est classe. Après, la tête, le costume, un peu moins, quoi. Général, il ressemble un peu à Smarties. Vous pensez que ça me ressemble vraiment? Valide pas. Je ne valide pas. Ah, du coup, le biker, ouais, on va mettre en pas mal quand même. Voilà, le Père Noël sur un. Ouais, c'est pas un triceratops, ça, je pense que ça s'appelle. Les petits dinosaures sur petits pieds. Enfin, petit pied, c'est pas. C'est un diplodocus, petit pied, je crois. Ouais, ça remonte à loin, ces références de dessins animés. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Oula! Là, là. Bon, on l'aura pas en très grand cette image, mais ça peut être un Père Noël de film d'horreur, ça, pour le coup. C'est la copine de Petit Pied. Oui, mais c'est pas Petit Pied, du coup. Il a pas de cerne sur la photo. Ah bah, sympa. Petra? Je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle. Le film tirait bien. Ah! Un jour peut-être, Inch'Allah. Ça fait un peu peur quand même. Hein. Ah, je suis pas friand. Ensuite, quel numéro pour appeler le Père Noël? La réponse de tête à modeler. Ah! Oh, il est pas mal ce petit Père Noël. Il est pas mal. Oh putain! Regardez ça pour vos Noëls. Prenez un Game Pass. Très important le Game Pass pour Noël. Ouais, il est pas mal. Ah, on a le Père Noël le punk. C'est un style, hein. C'est on aime ou on n'aime pas. Et celui-là, je sais pas s'il ramène des cadeaux, hein. Je pense qu'à mon avis, il ramène autre chose, mais bon. Pense que je vais le mettre dans pas mal aussi, hein. Pour l'originalité, voilà, pour l'originalité. On va le mettre dans pas mal. Ensuite, on a le petit Père Noël avec un cadeau. Bon, très classique, hein, du coup. Ça a dû être récupéré sur un site où... Stickers Père Noël au cadeau. Ouais, classique. El Classico. On a Mario. Mario en Père Noël. C'est pas mal. C'est pas transcendant, mais c'est pas mal. Ensuite, on a l'axolote. L'axolote de Noël. Bon, rien de transcendant, c'est un axolote avec un chapeau. Bon, ok, très bien. Rien de fifou. Ma foi efficace. Tiers. SSS tiers. Ah. Un petit gnome de Noël. S'appelle téléchargement. Téléchargement.jpeg. Pour classique, du coup. C'est le meilleur animal du monde. Oui, alors, je pense qu'il y a un peu de surcotage dessus. Ensuite, on a. Ah, c'est un gif. Oula. Il est perturbant quand il regarde sur le côté. Ouh, sur l'œil là. Ou qu'il regarde trop sur le côté. Ouais, c'est pas mal, hein. On a les petits cochons. Les bébés cochons. N'empêche, les bébés cochons, c'est mignon. C'est mignon, les bébés cochons. Après, quand ça grandit, un peu moins, mais... un peu moins stylé, mais... Et le dernier...
Ah, le Père Noël métal, métal, blue metal. C'est validé aussi ça, hein, le petit Père Noël là. Je vais même le mettre en comme dans mes rêves d'adulte. Bah du coup je crois que comme dans mes rêves d'enfant, le choix est vite fait, hein. Non, je déconne. Hein. Pas déconner. Mais non, mais je pense que vraiment, celui-là, avec la petite lanterne, il est vraiment stylé, hein. C'est vraiment le mec apaisé avec le gros sac, le style et tout, sagesse, la bonté. Et... Ah ouais, non, il est trop bien ce Père Noël. Hein. Dumbledore en S. Mais non, pas Dumbledore en S. Après, Dumbledore, il est bien. Hein. Et tu sais quoi, on va le mettre aussi là. Parce que c'est vrai qu'il est clean. Hein. Voilà, comme ça, on aura un vrai et un faux, on va dire. Enfin, un vrai et un imaginaire, on va dire. Il me fait penser à Benoît Poulvorde, je sais pas pourquoi, mais... Les yeux, quoi. Bon, bah voilà, hein. Cette belle tier list du Père Noël du 24 décembre. Qui sait, vous aurez peut-être ce soir la visite de l'un d'entre eux. Hein, Alors j'espère plutôt des gens en haut qu'en bas, mais bon, après, ça dépend les goûts et les couleurs, ça ne dépend que de vous. Hein. Bah du coup, YouTube, des bisous à vous, hein. J'espère que ces tier lists vous ont plu. Et puis, bah, à la prochaine. Hein. À la prochaine, YouTube, des bisous! Voilà. On a fini la première tier list. Ah non, j'ai rien mis, on va au diable. Ah tant pis, hein. Oh si, attendez. Re YouTube! De toute façon, je couperai pas. Au revoir YouTube, on a mis lui en mode diable. Allez, salut!